Review du Huawei Y5 par AmigaKid. Salut à toutes, salut à tous, c'est une fois de plus AmigaKid sur la chaîne OrdinoZone, la chaîne de tous vos tutos informatiques. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, de liker, de commenter et de partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, encore sur les forums que vous fréquentez. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je vous fais une petite review rapide d'un smartphone. Je viens de l'acheter et je précise bien que je viens de l'acheter, donc je n'ai pas reçu en cadeau de la société, donc je peux en dire vraiment ce que j'en pense. C'est le Huawei Y5. Alors, je l'ai acheté à 99,99 euros. C'est le Y5 de chez Huawei. Il vient juste de sortir. Il est disponible depuis début octobre, mi-octobre, sur la Belgique. Et j'en suis content. Je vous fais vite les petites caractéristiques au niveau technique. Au niveau de la hauteur, le téléphone fait 135,9 mm. Au niveau de la largeur, 67,7 mm. La profondeur, c'est 10 mm pour un poids excédant à peine 140 grammes. Il est disponible en 4 couleurs, en blanc, en noir, en rose et en bleu. Moi, pour l'instant, je n'ai vu que le noir de disponible, donc je suppose que les prochaines couleurs viendront rapidement. Au niveau de l'écran, c'est un 4,5 pouces et c'est ce qui m'a d'ailleurs décidé à prendre le Y5 plutôt que le Y6, parce que le Y6 est sorti un tout petit peu avant et il a un écran plus grand, donc le smartphone est plus grand. Puis j'en ai marre de me balader avec des trucs énormes en poche, donc ici au niveau de la taille de l'écran et la taille du smartphone, c'est pile poil pour moi. L'écran, c'est un FWVGA TN avec 854 x 480 pixels. Au niveau du CPU, c'est un Snapdragon 1,1 GHz Qualcomm Quad-Core ARM et la capacité au niveau de la RAM fait 1 GB. La mémoire interne en fait 8 et bien entendu, cette mémoire interne est extensible jusqu'à 64 Go par carte micro SD. Le système d'exploitation est Android, bien entendu, en version 5.1, donc c'est du Lollipop. Et la surcouche maison de chez Huawei, c'est l'MUI 3.1 Lite, ici, donc c'est la version 3.1 Lite. Et j'aime bien cette petite surcouche de chez Huawei, j'y suis habitué depuis le Y300, et je trouve que ça ajoute vraiment un plus indéniable au système Android de base. Alors, on va parler par exemple de l'appareil photo. Ici, c'est le statu quo par rapport à mon Y300, puisque la caméra fait 5 millions de pixels et celle donc de la caméra frontale fait 2 mégapixels. Donc, c'est exactement les mêmes caractéristiques au niveau de la caméra, de l'appareil photo, de ce que j'avais déjà il y a 2 ans sur le Y300. C'est peut-être le petit point gênant. Parce qu'on aurait peut-être pu s'attendre à avoir un 8 mégapixels, pourquoi pas. Mais enfin, ce n'est pas trop important pour moi en tout cas, parce que c'est vrai que je fais des photos, mais j'étais déjà content de la qualité d'image, la qualité de photos et de vidéos de l'Y300, donc je ne vais pas jeter la pierre à mon nouveau smartphone. La batterie, c'est une batterie de 2000 mAh. Pour l'instant, j'en suis content. Ça fait quelques jours que j'ai le téléphone et pour une utilisation vraiment basique, eh bien, je recharge à peu près tous les 2 jours. J'espère que ça restera ainsi. Quand vous achetez le téléphone, eh bien, dans la boîte, vous recevez, en plus du smartphone, parce que rassurez-vous, il est quand même dedans, des écouteurs, la batterie, ça tombe bien, un chargeur, un câble USB et un petit guide de démarrage rapide. Alors, parlons du chargeur et du câble USB. Petite faute de goût, parce que chez moi, le chargeur et le câble USB, eh bien, sont tous deux blancs. Ça, c'est vraiment une faute de goût. Soit c'est une erreur juste dans mon paquet, soit c'est ainsi pour tous les téléphones, peu importe leur couleur. Et ça, je trouve un peu dommage, parce qu'avec un téléphone noir, je me serais attendu à avoir un chargeur et un câble USB noir. Donc ça, je suis vraiment... me pose la question de savoir si c'est juste dans ma boîte ou dans cette série et si prochainement eh bien cela sera différent et que le câble et le chargeur seront bien de la bonne couleur. On verra. Si jamais vous achetez un Y5 et que vous avez
un chargeur ou encore un câble USB de la bonne couleur, faites-moi toujours signe. Sinon, je suis content parce que avoir 1 giga de mémoire au niveau de la RAM, eh bien, ça me change vraiment parce que les 512 mégaoctets de mémoire RAM de mon pauvre petit Y300, eh bien, ramait à fond la caisse. C'était vraiment d'ailleurs la. Un grand reproche que je faisais à l'Y300 parce que j'en suis très content. D'ailleurs, je ne l'ai pas revendu. Je pensais le revendre, mais finalement, je le garde parce que c'est un bon petit téléphone tout-terrain. Et si on ne le surexploite pas au niveau des applications, etc., ça va. Mais ici, avec 1 giga de RAM, je suis quand même libéré parce que c'est vraiment bien. Le téléphone est réactif et je suis content. Bref, Huawei fait du bon au niveau de la finition du téléphone. C'est vraiment bien. C'est un téléphone d'entrée de gamme, mais il ne fait pas cheap. Je suis content au niveau du poids, au niveau des dimensions, au niveau de la qualité d'affichage, au niveau de la qualité du téléphone. Donc Huawei, c'est vraiment une marque que moi je vous conseille. Pour l'instant, touchons du bois, je n'ai eu aucun problème. C'est mon deuxième smartphone, donc moi je vous conseille, si vous avez envie de vous acheter un téléphone pas cher, une entrée de gamme, ben 100 €, franchement, ce téléphone les vaut largement, croyez-moi bien. Et puis je vois pas trop l'intérêt d'acheter des téléphones trop chers puisqu'on les a tout le temps en poche, donc autant prendre un téléphone, comme je dis souvent, tout terrain et qui fait du bon boulot. Voilà, c'était ma petite review concernant le nouveau téléphone Huawei en version ici Y5 que je vous conseille. Donc il fait un tout petit peu moins de 100 € et il fait du bon boulot. Allez, à plus, c'était Amiga Kid. Et n'oubliez pas de regarder également mes autres vidéos sur OrdinoZone.